Aujourd'hui, nous avons 376 jeunes qui sont formés. Et ces jeunes sont prêts comme des soldats à aller sur le terrain. Au sorti de cette cérémonie, ces jeunes iront directement sur le terrain. Ils vont rentrer dans les différentes familles. Le grand marché, il y aura une sensibilisation de masse ce matin même au grand marché. Donc, pour vraiment vous spécifier que le conseil régional et son partenaire, qui est loin d'y rêver plus, en tout cas travaille d'une manière ou d'une autre pour apporter sa pierre contributive dans la lutte contre ce mal qui est le Covid-19. C'est une immense joie pour la jeunesse de la région de Haut-Kotto.